de Noël. Tout en sachant que Jésus n'est pas né le 25 décembre, les chrétiens évangéliques profitent de cette fête pour faire savoir autour d'eux qui est le vrai Jésus et pourquoi il est venu sur cette terre. C'est un des temps de l'année les plus favorables à faire connaître Jésus, car l'esprit des personnes est plus ouvert à comprendre pourquoi la naissance de Jésus et pourquoi il est venu dans ce monde. Les chrétiens évangéliques fêtent la naissance du Christ, convaincus non pas sur la fête ou la date de la naissance de Jésus elle-même, mais par l'importance de la venue du Christ dans le monde pour être notre sauveur. Les évangiles ne nous donnent aucune indication quant à la période de l'année où Jésus est né et le jour, ainsi que le mois. Tout au plus, Luc nous dit que les bergers dormaient dehors pour garder leurs troupeaux, ce qui concerne une période s'étendant de mars à novembre. La réalité importante pour nous n'est pas de savoir le jour de sa naissance, ni l'heure, ni le mois, ni la date, mais la manifestation obéissante du Christ d'être venu parmi nous sur la terre. Nous profitons du temps de ces fêtes pour vous joindre des vidéos à faire connaître autour de vous comme moyen d'évangélisation. Soyez bénis et soyons pour Christ et non contre lui. Utilisons toutes les occasions favorables à faire connaître la vérité sur la personne de Jésus. Chaque vrai enfant de Dieu aura des comptes à rendre à Dieu de ce qu'il a témoigné de Jésus autour de lui. A-t-il gardé Jésus pour lui ou a-t-il témoigné de ce qu'a fait Jésus dans sa vie aux personnes qui ne le connaissent pas afin qu'elles soient sauvées? Est-ce que vous faites connaître Jésus comme sauveur, non pas Jésus comme religion, mais comme vraiment sauveur personnel? Je vous souhaite une bonne journée et merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis.